Ok les gars, j'espère que vous allez bien. On est toujours avec Cloud accompagné de Barrett sur ma gauche et Tifa sur ma droite. On s'est pas mal préparé dans l'épisode précédent pour affronter un gros boss. Je pense que le combat ne va pas être de tout repos. Donc pensez bien à mettre un petit like pour m'encourager dans ce combat et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Je vous kiffe en tout cas, vous êtes vraiment au top. Hein. Merci pour votre soutien sur toutes ces vidéos de Let's Play, ça me fait super plaisir. Allez, on y va. Il nous manque des éléments à cause de l'obstruction des intrus. Niveau moins 5, veuillez nous envoyer ce que vous avez. Bien reçu. Les intrus sont là. Maîtrisez-les. Allez. Grenier d'élite. Tu vas voir c'est qui l'élite. Ok. C'est trop facile. Alors voyons, qu'est-ce qu'il transporte dans ce hangar? Ah, une petite carte. Ça veut dire qu'on va encore pouvoir affaiblir le boss. Ce serait bien d'avoir plus de cartes. Ah, ça serait bien d'avoir plus de cartes. Alors, est-ce qu'il n'y en a pas une autre qui se cache? Eh si, il y en a une là. Et voilà. Donc avec ces cartes, je vous le rappelle, on peut aller sur les consoles et affaiblir le boss qu'on va bientôt combattre. Voilà, celle-là, je voulais le faire. Dans l'épisode précédent, je m'étais trompé. C'est le cœur d'IA. Mais il vaut mieux vérifier les autres consoles avant de décider. Ok, donc les cœurs d'IA, on sait que ça... Ça va ralentir le boss en fait. Celui-là, qu'est-ce que c'est? Big Bomber, c'est ce qui lui permet de lancer des attaques super puissantes. On en a déjà utilisé deux. M Unit, je sais plus à quoi ça sert. Et celle-ci, AI Programming. Ok, c'est pour le ralentir également, hein, je pense. Hein. Ouais, c'est pour le ralentir. Bon bah, j'ai bien envie de le ralentir deux fois. Ici, c'est les cœurs d'IA qui accélèrent les mouvements. T'as choisi ce que tu vas acheter? Oui. Rejet du cœur d'IA validé. Ça devrait le retarder en tout cas. Donc on a utilisé une carte pour le ralentir, on a encore une carte. Soit j'utilise sur... Ouais, ce serait pas mal de... Ce serait pas mal de le ralentir. Ou peut-être le M-Unit. Allez, on va partir sur le M-Unit. Ah, je sais pas si je peux utiliser... Ah non, il me reste Big Bomber ou M-Unit. Ouais, allez, on va partir là-dessus. C'est les unités M, c'est ça? Ouais. C'est une occasion unique de foutre la honte à la Shinra. Alors réfléchis bien à ce que tu vas jeter. Allez, unité M. Il me semble que en gros ça lui baisse sa puissance générale quoi. Un truc comme ça. Rejet de l'unité M validé. Ça leur apprendra. Je pense que. On a fait ce qu'on pouvait en tout cas. Ça devrait aller, on l'a bien débrouillé. Maintenant, il reste plus qu'à attendre le résultat. On approche de la sortie. Tifa, t'es prête pour la bombe? Oui, t'inquiète pas. Dès qu'on aura éliminé le tas de ferraille, t'appuies sur le bouton. Donc là, l'objectif, c'est bien sûr de défier le boss. Et bon, par contre. Ok, bouge pas, on va se faire des petites potions quand même parce que là... Hop. C'est vraiment trop long les potions à mettre en fait. Non, c'est pas des soins que je mette, c'est des potions. Je pourrais mettre des super potions mais je préfère les garder pour les combats. Allez. Coupé. Ah, roulant. Et... Allez,
Ah, il esquive tout lui. Oh là, comment j'ai raté. Allez, tu l'as terminé. Oh, il est en choc. Gain de niveau. Cloud est niveau 17. Wow, ça monte vite, hein. J'avais pas vu que je... que j'avais pris autant de niveaux en si peu de temps. Niveau 17, ouais, c'est pas mal. Hein. J'espère qu'ils vont nous mettre un petit banc de récupération, tu vois, un truc comme ça pour être bien frais avant le combat. Ah, mais c'est pas sûr ça. Hop. Ouais, je sais que je passe pas mal de temps à mettre des potions et tout, mais... en vrai, si je commence le combat... et que... bah... il me manque de la vie, c'est chaud quand même. Ok. Alors. Qu'est-ce qui se passe ici là? On est revenu En bas, c'est là où on était. D'accord. Ok. Pas le temps de revenir en arrière. Non, non, on n'a pas le temps, je sais, je sais. On a fait notre possible. Il nous reste plus qu'à croiser les doigts maintenant. Allez, on avance vers le combat, j'imagine. Ah, je suis super excité, j'ai hâte. Alors, est-ce qu'il est prêt? Presque, plus que quelques réglages. Faites vite. Le directeur s'impatiente. Ok. Il est pas encore prêt. Les intrus! Tous sur eux! J'ai besoin de temps pour les réglages! C'est moi! Je veux un rapport sur la héros! D'ailleurs. Alors, ils ont des boucliers, c'est assez chiant. Ils viennent de le lancer. Ah non, il y a un grenadier. Ah, je suis bloqué. Ah, ils sont en train de l'envoyer. Avancement des préparatifs. Ce sont les caractéristiques du robot, non? On trouvera sûrement son point faible au moment de l'affronter. Si on arrive à garder notre sang-froid, on le vaincra forcément. On devrait décider d'une pause pour la victoire. Un truc bien synchro pour la télé. Je suis sûr que tous les gamins nous imiteront après. Pas question. Il a pas envie de rigoler. Merde. On peut pas monter par là. Je regarde s'il n'y a pas des petites caisses, des petites choses qui pourraient nous être utiles. On n'arrivera jamais à remonter par les tuyaux. Cherchons autre chose. Effectivement. Qu'est-ce qui se passe? Oh oh. On sonneur. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Aïe.
Ah ouais, je crois qu'il y en a un qui m'a envoyé des soins là. Dis pas aussi, il faut qu'elle... Allez, on va le terminer. C'est clairement ce qu'ils veulent qu'on fasse. Ok, bah du coup on peut passer, il nous a libéré la voie. Par contre on est comment, on est au niveau des PV là? Pas ouf. Laisse-moi prendre un peu d'éther. Voilà, et comme ça je vais faire un petit sort de, d'extra soin sur Tifa la pauvre. Qui a pris cher. Un petit coffre juste ici, magnifique. Un éther, bah très bien, ça me va. Essaie de pas me gêner. Eh oh, si tu me cherches, tu vas me trouver, quoi. Gain de niveau de matéria. Allez, on remonte doucement mais sûrement. On va le mettre en morceaux en direct. Ah, il est là. Il est encore en train de monter. Ouais, on va montrer à la Shinra ce qu'on sait faire. Ils peuvent nous balancer ce qu'ils veulent, on rentrera quand même chez nous. On y arrivera, c'est certain. Marlène attend notre retour. Toi aussi. Elle te parlera maintenant. Hein? Ouais, si tu lui fais un sourire. Peut-être, si on me paye bien. Allez, on vient d'arriver. Là, on peut pas passer. Dépêche-toi d'ouvrir là! Il y a un verrouillage d'urgence. Ça veut dire qu'on est enfermé ici? On peut ouvrir de la salle d'à côté. Ils font vraiment tout pour nous emmerder. Mais apparemment, il y a aussi l'entrepôt des rebuts là-bas. On pourrait récupérer tous les éléments qu'on a détournés? La salle au trésor! Génial! Allons-y tout de suite! Ah. Comment on fait pour ouvrir? Le mécanisme est très simple. Il faut actionner les leviers au même moment. Je m'occupe de ces deux-là. Moi, je vais de ce côté. Toi, Cloud, tu vas là-bas. Alors là, attends, on a le choix parce que là, du coup, on peut faire cette mission annexe. C'est là qu'on récupère nos trésors? Si on peut entrer. Ça s'ouvre pas? C'est un verrouillage de sécurité maximum. C'est différent de l'autre, alors? C'est le même principe, mais il faut passer plusieurs étapes. Ils sont chiants avec leur système de verrouillage. Ok. Donc c'est celui-là, le niveau maximum, hein? Et tu veux commencer par ça? Déverrouiller le niveau de sécurité maximum? Bah, on peut tenter, hein. Pour désactiver le verrouillage de sécurité, il est nécessaire d'actionner les 4 leviers de la console au même moment. A vous de déplacer les leviers contrôlés par Barrett et Cloud avec L et R dans la direction indiquée par les moniteurs. Tout en suivant le signal que vous donne Tifa. Okay. Le mode de sécurité maximum est actuellement activé. Faites attention. Activez les leviers à mon signal. Allez, on y va. Au même moment que Tifa. Ça va, j'ai compris. Allez Tifa, vas-y. D'abord le premier niveau. C'est parti. Oups,
Bah si. Qu'est-ce que j'ai fait? On se concentre. Levier droit. Il faut actionner les leviers à mon signal. En même temps, ok, ça marche. On va y arriver. 1, 2. Niveau 1 du mode de sécurité désactivé. Vous avez été parfait. Continuons comme ça. Ok, jusque là ça va. Niveau suivant. 1, 2. Pas de panique. Si, je l'ai fait en même temps, vraiment. Je compte sur vous. 1, 2. Niveau 2 du mode de sécurité désactivé. Bravo. Vous avez pris le coup. Eh ouais, on est des pros. Plus aucun système de verrouillage de la Shinra peut nous résister. On a fait la moitié. Encore un petit effort. 1, 2. Je vois même pas ce qu'elle fait. Regardez les flèches sur les écrans. Ah, ok, j'avais pas vu. Moi je regardais ses bras en plus. On va y arriver. Ah ok, je regardais ses bras moi, comme un con. 2. Si, je l'ai fait. Attendez, ça compte pas. Je vous jure, je l'ai fait. Que je m'échauffe un peu. Bon, déjà, je regardais ses bras, en fait, c'est écrit sur les écrans. On se concentre. 1, 2. Mais je le fais en même temps, c'est pas possible. Faut qu'on se coordonne. Allez, à mon tour. 777e ciel. 777e ciel. Arrête de déconner. Attends, et comme ça. Le 7e ciel. Oh. Bon, allez, sérieusement. 1, 2. Mais non, sans déconner. Attendez, ça compte pas. Il faut que je me je vous jure, je le fais en même temps. C'est fou. On va y arriver. 1, 2. Non, mais c'est un truc de fou, là. Pourtant, c'est un truc de merde, mais pourquoi j'arrive pas? 1, 2. Oh. Genre vraiment. On se concentre. 1, 2. Niveau 3. Ah bah enfin. De sécurité. Tant, c'est un truc de fou. Bravo, bien joué. On forme une équipe du tonnerre. C'est le dernier okay. Niveau. Ok. Bah et restons bien concentrés. Enfin, haut et bas. 1, 2. Oh. Pas de panique. Eh, ils sont pas tolérants, franchement. Un truc arriver. De merde comme ça en plus. 1, 2. Oh. Attendez, ça compte pas. Il faut que je m'échauffe un peu. Bon allez, laissez-moi donner le signal. On y va. Boum 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 boum. C'est encore plus compliqué. On va quand même bien finir par y arriver. 1, 2. Oh. C'est un truc de fou les amis, je vous jure. Faut qu'on se coordonne. Ah. On se concentre. 1, 2. Oh. Attendez, ça compte pas. Il faut que je m'échauffe un peu. Je compte sur vous. 1, 2. Je vous assure que je le fais en même temps qu'elle. En plus, en fait, y a pas de tolérance. Faut vraiment être. On se concentre. Ah là là. Enfin. Oh mon dieu, c'était le pire truc du jeu. Désactivé. Le pire. La salle du rebut est maintenant déverrouillée. On a réussi. J'ai vraiment cru que ça n'en finirait jamais. Hey oh Cloud, sérieusement? T'es sûr que t'étais soldat avant toi? On n'a pas été entraîné pour ça. Quand on veut être un bon mercenaire, il faut savoir tout faire. Bon, ça suffit les chamailleries. Allons plutôt voir à l'intérieur. Putain, je suis bien d'accord avec Tifa, j'ai cru que ça finirait jamais. C'était ultra chiant. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une matéria, ok. J'espère que ça vaut le coup. Magie augmentée. À quoi sert cette matéria? J'imagine qu'elle augmente la magie. Eh oui, je suis très perspicace. Magie augmentée. Oh, j'augmente la magie de 5%. Ok. Du coup, ouais. Par exemple, Barrette.
Auto-soin, fou de résurrection, protection. Ok. Franchement, je sais pas à qui trop l'affecter. Le mode de verrouillage d'urgence est actuellement activé. Donc il faut actionner tous les leviers en même temps. Attendez, c'est moi qui donne le signal. Non, c'est Tifa. Ah, d'accord, super. Allez, vous disputez pas. Oui, oh. Prêt ? 1, 2. Ah, vous avez vu, je me suis échauffé. Hein. Mode de verrouillage d'urgence désactivé. Et voilà ! Du premier coup. Bravo. Parfaite coordination. Ouais, pas mal. Quel bâtard, il lui a mis un vent. Cloud, il abuse quand même. Allez. Bon bah moi qui pensais que dans cet épisode on allait combattre très rapidement le boss. Ah. Alors on peut acheter des super potions. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On peut acheter ça, on va l'acheter hein, tant qu'à faire. Des méga potions, tiens. C'est pas mal ça. Queue de phénix, j'en ai 24. Il y a une queue de phénix en promo, on va en profiter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des objets. Ok. On a des matériaux, mais qu'on a déjà visiblement. Au niveau des super potions, je sais pas si j'en prends plus, peut-être. J'avoue, je pourrais en prendre encore un peu plus. Allez, vas-y. Je vois aussi qu'on a un petit banc pour se reposer. Et bah écoutez, je pense que le combat de boss va être juste après ça. Donc, reprenons un peu de PV et de PM. Et puis, voilà. Je pense qu'on est pas mal. Oh, c'est beau. On est devant Midgard. Regardez. Oh, les yeux de quelqu'un qui a baigné dans la Mako. Qui es-tu? Un soldat, c'est ça. Ancien soldat. Un soldat reste un soldat jusqu'à sa mort. Mais beaucoup deviennent inutiles bien avant ça. La cause de décès la plus fréquente est le comportement autodestructeur lié à la dégénérescence. Les données sont gardées secrètes, mais tous les soldats sont conscients de ce fait. Évidemment. Tu comptes m'ignorer jusqu'à quand? Je préférais ne pas engager la conversation. Je sens que tu ne t'arrêterais pas. C'est clair qu'on n'en finirait pas si on s'amusait à énumérer tous les crimes de la Shinra. Des lamentations. Tu gaspillerais ta salive ainsi que mon temps. Oh, tu m'énerves. On pourrait en parler. Tiens, du gaspillage. La Mako, c'est la rivière de la vie, tu le sais très bien. C'est le sang qui circule dans les veines de notre planète, pas vrai? La Shinra n'arrête pas de la pomper sans aucune modération. Si vous continuez comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Je ne veux pas nier que c'est vous qui extrayez l'énergie, Mako. C'est vrai. Mais qui est-ce qui dépense cette énergie sans compter? Tout le monde connaît la véritable nature de la Mako. Mais tout le monde ferme les yeux et fait semblant de ne pas savoir. Vous n'avez jamais réfléchi à ça. Tu te défileras pas comme ça! Même si certains en arrivent à ce point, c'est parce que vous leur lavez le cerveau! Nous n'avons pas un tel pouvoir sur les gens. Allez, mes petits rebelles des bas-fonds. Vous êtes maintenant de vils complices de nos ennemis du Wutai. Vous allez attiser la ferveur patriotique du peuple. Complices du Wutai? Mais de quoi il parle? Vous êtes
trop stupide pour comprendre ce qui se passe. Hé ! Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Vous pensiez probablement avoir mené votre plan à nous. Mais vous n'êtes que les instruments de nos propres plans. Notre méticuleuse campagne de propagande militaire. D'ailleurs, nous pouvons contrôler votre monde. Et choisir quand elle explose par contre. Salopard! Bien, le spectacle peut commencer. Vous êtes les ennemis du peuple de Midgard. Vous êtes reconnus coupables de grosses tirades avec vos mousailles. Le châtiment est immédiat. Les Ravens. Un chrono de 21 minutes. Un petit sort de un petit objet de une petite position pour Cloud. Okay. Il arrive à le mettre en... Ah, je pensais qu'on aurait la jauge d'invocation, mais non. Oh. Je serai sans pitié. Allez. Wow, c'est chaud là. Sort. Extra soin pour Cloud. Ça se présente pas. On va se protéger parce que là. Oh oh. Canon annihilateur. Annihilateur. J'ai jamais vu une telle puissance. On a échappé belle. Il faut l'attaquer prudemment. Il nous balance des petites bombes. Il va encore tirer. Vite, à l'abri. Allez, évadez-vous davantage. Ça serait triste que vous mourriez trop facilement. C'est tout. Allez, je peux pas m'approcher ou quoi? Il va faire son truc. Cloud, il a été pris dans le canon là. Il a pris cher. Je crois que la poudre, ils aiment pas trop les robots. Ouais. On les détruit en premier.
Ah, c'est quoi ça, bras droit? Ok. Wow, Barrett il a chaud là. Cloud sort. Ouh là là, c'est chaud. Super potion sur Barrett. Attends, il faut que je me refasse un peu là. Objet, super potion sur Cloud. Waouh, il m'a enlevé tellement de vie. Je vais prendre une méga potion là. Tu vas voir. C'est pas fini. Oh là, il m'a enlevé. Attends, il faut que je. Oh, c'est le bordel. Voilà, faut bien gérer les. Ouais, la vie elle part super vite. J'arrive même plus à gérer là, attends. Méga potion, super potion sur Cloud. Ah non, il est. L'invocation. Waouh. Putain, Cloud il est mort. Oh là là. Attends, le combat il est chaud là. Il y a Tifa et Cloud qui sont morts. Ok, je viens de perdre. Putain. Waouh, j'ai rien compris. Les amis, j'ai rien compris. Bon. Ce que je vous propose, c'est que on s'arrête là pour cet épisode, parce que j'aime bien que cet épisode reste court. Donc on s'arrête là, mais qu'on reprenne du coup dans le prochain, exactement au même moment, mais pour le deuxième essai du coup sur ce boss, qui m'a l'air extrêmement chaud quand même. J'ai rien compris, tous mes personnages sont morts d'un coup. Purée. Eh bah écoutez, n'oubliez pas quand même de mettre un petit like et de vous abonner à la chaîne, ça me fera plaisir les amis. Et puis je vous dis du coup à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao.